Cannes. Oui, incontestablement, l'arrivée de ces japonaises et ces américaines va chambouler le résultat européen que nous avons ici. Alors que ici, il y a une petite mise en scène qui est en train de se préparer. Qui accueillons-nous ? Nous accueillons... Oh ! Qui accueillons-nous ? Les vainqueurs de la catégorie danse, Oksana Domnina, Maxime Chabaline pour la Russie, qui nous ont enflammés vendredi soir. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à nous suivre tout au long de ces championnats, ce dont nous vous remercions bien, bien vivement. Et c'est vrai que la compétition de danse avec les Russes contre Isabelle et Olivier a donné lieu à un grand moment de sport. Et oui, car ils étaient premiers avec 1,82 points d'avance, ayant gagné les imposés et la danse originale. Donc nous avons vraiment vécu ce programme libre avec beaucoup d'émotion. Les deux couples ont fait des programmes libres sans faute. Les départager était un moment difficile. Je suis sûre que le jury a eu beaucoup d'hésitations. D'ailleurs, les notes ont été très très longues à sortir. Donc, ni nos Français, ni nos Russes ne peuvent se reprocher quoi que ce soit. Et c'est le sport qui a parlé. Tango Oblivion par Astor Piazzolla. Grand écart magnifique, magnifique. De séduction auprès du public, ces deux-là ont tout compris. Hein. Ces deux-là ont tout compris. Ah oui, ils ont tout compris. C'est d'ailleurs la base de leur approche de la danse sur glace, à savoir que c'est une danse fluide, une danse pure, avec des transitions plus faciles, mais qui mettent en valeur la plastique tout à fait sidérale et parfaite de l'un comme de l'autre. De l'un comme de l'autre, car ce sont tous les deux des patineurs magnifiques, des silhouettes longilignes et parfaites. La longueur de jambes de la demoiselle est tout à fait sans fin. Mais Maxime est très grand. Maxime doit mesurer, je pense, aux environs d'un mètre 80, voire plus avec les patins. Mesdames, je vous le dis, Maxime est absolument superbe. Rien à redire. Combien mesurez-vous, Alban ? Moi, 1m82 et Maxime est plus grand que moi. Oui, donc, c'est ce qui est vraiment la limite, non pas supérieure, on peut toujours être plus grand, mais vous êtes parmi les patineurs les plus grands, Maxime. Parmi les patineurs artistiques, je suis l'un des plus grands et en danse, ils sont un peu plus grands, donc ils doivent faire facilement 1m85, Maxime. Regardez si ce n'est pas mignon. Ça. Nos amis de la télévision croate ont très bien travaillé tout au long de la semaine. Saluons-les. Alors que là, ils entament une partie de leur programme libre, à savoir la valse mascara d'Aram Khatchatourian, musicien russo-arménien qui a écrit, entre autres chefs-d'œuvre, ce qui va suivre.
Ah là là. Quelle merveille. Quelle merveille. D'ailleurs, le public est debout. Vraiment, le public croate est debout. C'est superbe. Alban. Cette musique s'adapte parfaitement à leur patinage. C'est vrai que c'est... Voilà, les lignes sont hyper pures et il n'y a rien à redire là-dessus. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur Isabelle et Olivier, et nul chauvinisme dans ce propos, ils ont terminé tout près de ce couple russe. Oui. Tout près. Et vraiment, ça renforce encore la...